Je viens de finir ma valise, on va partir à New York, je vous emmène avec moi. Il est actuellement 4h du matin, je vais aller dormir jusqu'à 6h et après je vais faire 8h de bus jusqu'à Montréal. Ensuite je ferai encore 8h de bus de Montréal jusqu'à New York. Donc en 24h je vais bien faire 16h de bus, ça va être horrible. Ça y est, il est 7h30, on part. Je suis explosé, j'ai ma petite valise, mon frérot, il est là. Ça fait à peine 1h et il fait déjà jour. Repas du midi, c'est un petit McDo, ça fait plaisir hein. Le bus ça commence à être très long. C'est maman extra moutarde, extra tout. 1, 3, let's go. On est enfin arrivé après les 9h de bus, putain on est fou. Ah ça y est, on est sorti du bus enfin, ça fait plaisir là. Un petit peu d'air frais. Il m'avait manqué Montréal, hein. Ça fait bien longtemps. Du coup le bus pour New York il est à 22h30, donc en attendant on va un peu chômer à Montréal, se balader tranquillement. Si je vomis pas dans le bus, je comprends pas. L'assiette, ça a aucun sens. Il y a des crevettes, de la pizza. Bon, là, on vient de sortir du buffet. On s'est démonté le bide. C'était horrible. C'était pas démonté en mode beaucoup manger. Attends, résumé. Bon, là, du coup, on va un peu se balader à Montréal et ensuite on se retrouve dans le bus. C'est parti pour le deuxième bus de la journée. Ah là, on est bien. On prend les petits sièges au fond. Let's go, Delali. Ça va, on passe la frontière des États-Unis. Ça y est, on est officiellement passé de l'autre côté. On a passé tous les trucs. Avec juste la tête de terroriste. Mal. Oh, ils font stresser de fou en vrai. Jure, j'étais stressé de fou. T'es là, il dit ouais, pourquoi tu viens ici? Pendant combien de temps? Est-ce que t'as pour projet de déposer une bombe chez ma daronne? Ça va, ça reste entre nous. Il a dit ça va, mais t'as pas leur passe. Bon, bref, il nous reste encore 6 heures de bus. La nuit va être très longue. 6 heures là? Ouais. Ah là. Sur les pires sandwichs jamais faits. C'est le 8ème repas de la journée. Très important celui-ci. Alors, let's go. Bien parce que ça nous occupe l'esprit. On se fait extrêmement chier. Comme par hasard, le bus il a un problème là. Pendant 3 heures, on va devoir dormir. Il y a un autre bus qui vient de Montréal pour nous amener jusqu'à New York. C'est n'importe quoi. Bon, bah, du coup, on va faire dodo. Du coup, on a commencé à s'arrêter. Il était 1h30. Allez, les gars, on change de bus. Il est 5h06. C'est vraiment miteux. J'ai dormi un petit peu, mais j'ai mal partout. C'est horrible. Quand on change de bus, on prend le bus là-bas. Il reste 5 heures en plus. Ça va être horrible. Là, on est dans une grosse épicerie, tach les Américains. À tout moment, il y a un mec qui sort un Glock ici. Et là, le mec, il veut pas payer la boîte de Maxwell House. Ça sort la Kalachnikov, ça lui dit paye, paye. Ça y est, on est enfin sorti. J'ai le corps meurtri, les os fracassés, les genoux en sang, le dos en sang. Puis j'étais à côté d'un ricain. Le mec, ses cuisses, elles faisaient 3 fois la taille de mes cuisses, frérot. Avec 2 sièges, il était sur moi presque. Wesh. Ouais, mec, c'est insane, c'est tellement grand. Oh, la taille de l'immeuble, c'est aberrant, frère. Bon, là, on va voir directement Times Square, ça va être insane. Attends. Je me les refs, il y a tellement de décroches, je sais même pas où regarder. C'est choqué comme c'est. Incroyable. Les gars, j'ai vu cet endroit juste en vidéo, en photo, et le voir dans la vraie vie, c'est impressionnant. Genre, vraiment, je me sens minuscule. J'ai l'impression que je suis dans Spider-Man.